Garde montée pour Ouaradé, le nouveau roi du royaume du Bénin dans le sud du Nigeria. Le monarque appelé localement Oba a été intronisé ce jeudi pour perpétuer une dynastie vieille de 6 siècles. La cérémonie a été suivie par quelques 100 000 personnes à Benin City, la capitale du royaume. Aujourd'hui est un jour important pour les citoyens de Benin City. Aujourd'hui, on couronne notre Oba, c'est le couronnement. Au regard de sa popularité, le monarque exerce une influence indirecte mais réelle sur la politique locale, voire nationale. Son mandat, le roi Ewaré II entend le placer sous le signe de la promotion des coutumes et de la relance de la culture. On attend la gloire, une longue vie, la prospérité, le développement et le succès. La cérémonie a été suivie non seulement par les sujets des Ewaré II, mais aussi par le vice-président nigérien Yemi Osinbajo et par une foule de chefs traditionnels dont la palette va du roi d'Ifé Shula Yoruba au sultan du nord du pays.